non, non, non et non. C'était ce que je vous répondais à chaque fois que vous me demandiez depuis un an et demi si j'allais faire une aventure horrifique sur Outlast 2. Et jusqu'à encore quelques jours, je voulais toujours pas le faire. Outlast, c'est le genre de jeu très compliqué pour moi parce qu'il incarne tout ce que je n'aime pas. Hôpital psychiatrique, des screamers en veux-tu en voilà. C'est très difficile pour moi de vous proposer cette aventure horrifique sur Outlast 2. Mais dans Aventure Horrifique, il y a Horrifique et je me devais de me surpasser, de me dépasser pour tenter de vous proposer une aventure peut-être hors du commun, hors norme, en tout cas pour moi, vis-à-vis de vous. Et là, je vous le dis très honnêtement, et c'est la première fois d'ailleurs que je vous le dis, je pense sincèrement que c'est peut-être la première aventure horrifique que je n'arriverai pas à terminer en cas de malaise inopiné, bien évidemment, parce que je ne serai plus de ce monde, je ne serai plus parmi vous. Je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime et de commentaires, ça fait extrêmement plaisir et ça me touche, c'est un début d'aventure, c'est un soutien énorme que vous m'apporteriez tout simplement. Comme d'habitude, mettez un casque ou des écouteurs pour mieux entendre le son, parce que le son est primordial dans un jeu d'horreur. Et prenez de quoi boire, donc de se désaltérer, et de quoi manger. Bienvenue dans l'aventure horrifique sur Outlast 2. Outlast 2 contient des scènes de violence intense et de carnage, des situations sexuelles explicites et un langage grossier. Amusez-vous bien. Bon, clairement, c'est la première fois que je vois ce type de message dans un jeu d'horreur. En tout cas, ça impose déjà son style. Je rappelle que nous sommes en mode normal. On va pas commencer à se créer d'autres problèmes qu'on a déjà, hein, bien évidemment. Lynn Langerman est une journaliste d'investigation à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans des circonstances impossibles dans une région rurale d'Arizona. Vous êtes Blake Langerman, son mari, assistant et caméraman. Enregistrez tout ce que vous voyez. Ni elle, ni vous n'êtes des combattants. Pour traverser les horreurs qui vous attendent dans le désert, vos seuls choix sont de courir, vous cacher ou mourir. C'est là où ça devient très gênant. Vous l'aurez compris, les moyens de défense dans ce jeu n'existeront pas. Je regrette... S'il te plaît, Blake. ...de tenter ça. Je regrette vraiment. J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Il arrive. Ah ! Il est ici ! Ah ! Attends ! Ah ! Ah ! Seigneur Blake, est-ce que tu dors vraiment ? Je suis réveillé. T'aurais dû dormir la nuit dernière. Bah, je devais ranger les films de l'hôpital. Aussi, t'appelles le nom d'une autre femme. Quoi ? Dans ton rêve, Jessica, je crois. Tu connais une Jessica ? Oh, non. Je veux dire, je rêvais de Jessica Gray, quand nous étions gamins. Ah ouais ? Ça fait des années que j'ai pas pensé à elle. Hé, hey, nous passons au-dessus de terre de réserve. Vous m'avez demandé de chercher une sortie d'usine ? Ouais. On peut chercher, mais il n'y a rien ici. C'est vrai que cet endroit a l'air désert. Avec tout ce mercure que cette femme a dans le sang, elle a dû vivre des années près d'une usine qui rejetait des tonnes de déchets toxiques. Si vous le dites, c'est vous qui payez. On devrait enregistrer l'intro ici. Ça aidera le montage. Ok. J'arrive pas à changer le diaphragme avec ce machin. Le son sera merdique. On va devoir... Oh ! Putain, mais qu'est-ce que... Merde ! Désolé ! Le panneau de gauche ne répond pas trop, mais tout va bien. Oh, que d'émotion. Essaie de prendre un max de paysage derrière moi. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Piano panier, piano panier, piano panier. Avasupai, Avasupai. Ok. Ici Lynn Langerman pour newstomorrow.net. Nous volons au-dessus de la réserve indienne d'Avasupai dans le centre de l'Arizona, à la recherche des origines de Jane Doe, victime de Lynn, tu devrais pas parler de meurtre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je dois dire qu'elle s'est elle-même étranglée à mort. Ah, c'est ce que dit le rapport de police. On pourrait placer cet extrait avant les interviews du médecin. On met ça dans les 30 premières minutes et on parle de meurtre aussi.
Il faut mentionner le fœtus, comment il... Attends, laisse-moi essayer une version qui pourra servir d'intro pour toi. Merde. Dis-moi quand t'es prêt. C'est bon. Il y a 2 semaines, une jeune femme a été retrouvée déambulant seule, pieds nus et enceinte, sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la ville la plus... Oh ! On a perdu le moteur ! Merde ! Putain ! Oh non! Dites-moi pas qu'on est dans une école! S'il vous plaît! C'est déjà à moi de jouer, dites-moi pas qu'on est dans une école! Les gars, je vous le dis depuis des années, je déteste les écoles! Dans un jeu d'horreur, il fait extrêmement sombre. Et en plus, il y a des croix, signes religieux donc, un peu partout. Dans un jeu d'horreur, c'est terrible. Bon. Oh non, mais voilà, mais c'est ça que j'aime pas dans Outlast 2. On va se faire enculer de Screamer. Oh là là, mais alors là, les gars, je vous le dis, hein, mettez le son. Casque écouteur comme moi pour être vraiment dans le truc et en prendre plein la gueule. Ok. Jessica, bien joué, t'as des médailles. Qu'est-ce que tu veux, ma sœur? Tu voulais me montrer que t'avais des médailles? Je suis fier de toi. Ok. Il y a quelqu'un. Monsieur! Monsieur le directeur, cette école est pas normale. D'accord, il est 18h. Ça va, 18h. Il devrait pas faire nuit comme ça. 18h ou 6h du matin. Là, je comprendrai peut-être un peu mieux. Il faut savoir que j'enregistre cette vidéo, il est actuellement 23h. Nous sommes sur PlayStation 4, nous allons faire cette aventure sur PlayStation 4. Et il y a déjà beaucoup de bruit. Et c'est un couloir, je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que je suis déjà pas bien, donc je parle pour éviter de mourir, bien évidemment. Ah ! Putain, je m'y attendais à moitié, tu vois. Faut que je me retourne. Jure. Oh non. Oh non. Il y a une gamine qui chante. Elle se rapproche. J'attends la fin de sa musique. Ah ! Putain. C'est quoi ça ? Putain, ça commence mal pour moi. Je regrette, je vous jure que je regrette de vous faire cette aventure horrifique. Je le fais parce que je me dis que vous êtes là, j'ai l'impression que vous êtes derrière moi, que vous comptez sur moi, mais je vous jure que je regrette. J'ai même pas fait la démo, je sais pas, je ne sais rien. À Outlast 1, j'y ai joué, sans vous mentir, peut-être 10 minutes maximum. Je me suis pris 2 screamers, j'ai dit c'est bon, on coupe tout les gars. Merde! Ok, il y a donc l'hélicoptère en contrebas. On revient à notre situation actuelle. Vous pouvez voir votre objectif à tout moment. Ouais, on peut même voir ses pieds d'ailleurs en baissant la caméra. C'est plutôt cool. Je suppose que je dois descendre, pardon. Ok, on va descendre par ici alors. Quoi? Ah, j'ai eu très très peur. Ok, on va prendre connaissance du menu. Il n'y a que ça qui compte. Trouver Lynn, voir les enregistrements. Attends, c'est une blague? Dans le menu, on peut regarder autour parce qu'on peut se faire violer. Ça ne met pas pause au jeu. C'est quoi les enregistrements? Ok, c'est ce que nous-mêmes on a enregistré jusqu'ici. Dans l'hélico, ok. Là, je ne peux rien faire là, messieurs. Ok, si. J'ai fait preuve de mauvaise foi. Oh là là, il y a des gamins et tout, les écoles. J'espère qu'on va pas y retourner. Ok, on va franchir cet obstacle sans aucun putain de problème. Voilà, on est bon. Oh là 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 là, je regrette tellement les gars. Je sais pas ce que je fais. Je peux encore ne jamais mettre cette vidéo en ligne, malgré tous les tweets qui vous teasent et le post Facebook où je vous annonçais faire une aventure dessus. Je peux encore annuler. Les événements importants doivent être enregistrés. Appuyez sur R1 pour lever votre caméscope. L'enregistrement se fera automatiquement. Pardon. Lorsque le signe REC clignote, cela signifie que vous pointez correctement le caméscope sur l'événement enregistré. Pointez le caméscope sur l'événement jusqu'à ce que le cercle
rouge soit rempli pour l'enregistrer complètement. D'accord. Là, faut vraiment enregistrer cette Seigneur. Carcasse. Est-ce que... Ah non, il n'y a pas de corps. Elle est pas ici. Ok. Lynn ! Lynn ! Alors, vous savez quoi ? On dirait le doubleur français de Paul Walker. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai regardé les Fast and Furious il y a pas longtemps. Et j'ai l'impression de reconnaître sa voix. Ok, on se casse. Lynn n'est toujours pas là. Quoi ? Levez votre caméscope et appuyez sur R3. Impeccable ! Super, on va se faire un jeu en vision nocturne, ça va être incroyable. Là, normalement, il n'y a pas de screamer, hein. Il peut rien se passer. Oh putain, respire pas comme ça, frère. Oh, Merde. T'es baisé. Putain, mais le con. Non, c'est pas écrasé. C'est de la merde. Ok, faut tout enregistrer, hein. On va se rapprocher parce que... Il est vivant? Non, il est pas vivant. Hein. Ok. Attends, c'est quoi cette histoire de batterie dans ma caméra, là? Ça peut... Elle peut tomber en panne de batterie? Je connais pas Outlast, hein, vraiment, les gars. Hein. Vous pouvez regarder derrière vous. Oh putain, les gars! Oh, le cancer du bordel! Ok, donc je peux continuer. Recharger. Ok. C'est terrible leur truc, mais c'est trop bien fait. Mais je vais me chier dessus comme jamais, les mecs! C'est incroyable! Ok. Qu'est-ce que là? Je peux enregistrer le soleil? Dieu merci. Je pensais qu'on était à des kilomètres de tout. Ok, c'est enregistré. Je vais rester en vision nocturne. Si jamais je sors la caméra, comme ça je serai pas perdu. Ok, on a donc une petite ville. Ok, une petite maison. Pourquoi ça tremble? Pourquoi ça tremble? Ok, il y a de magnifiques... Il y a quelqu'un? Je suis perdu. Et blessé. Bloqué. Et si quelqu'un, t'imagines, quelqu'un passe sa tête à travers le rideau. Crise cardiaque incoming. Ok, on se casse. Moi, je cours trop vite. Je suis Sonic. Hé, il y a quelqu'un. S'il vous plaît. Quel est ce village? Quoi? Non, il y a des signes religieux partout. Jésus, reviens. Parmi les tiens. Ah! Quoi? Monsieur? Faut tourner la poignée. Hé hey. Hé hey, monsieur. Monsieur, il est mort. Oh, merde. Merde, il est mort. Ça vient d'arriver. Ok. Je coupe la vision, bien évidemment, nocturne. Ça ne sert à rien. Ok. Très bien. J'ai lu le principal. Je vous ai laissé lire. J'entendais des bruits pas très catholiques. C'est une pile! Je prends la pile! C'est incroyable! J'ai combien de piles? Ok, comment je peux savoir combien j'ai de piles? J'ai pas compris. Regardez votre poche gauche. Attends, vous êtes sérieux? Vous avez poussé le truc à ce point-là? Attendez. Quoi? Ok, j'ai une pile. Qu'est-ce que c'est? J'ai un bandage! Mais c'est trop bien fait! Je regarde toujours derrière moi. Hein. Toujours regarder derrière soi. N'oubliez pas que... L'avenir est devant. Monsieur? Viens! Viens faire le show! Viens! Ok, t'as de la chance. On va essayer de garder un maximum de batterie pour un maximum de plaisir! C'est un corbeau. Ok, on peut se plancher. Ah non, monsieur? Ok, qu'est-ce qu'on a là? Il a disparu! Ok, qu'est-ce qu'on a là? J'ai réellement aucun moyen de me battre. Sérieusement, les gars. Vous m'avez donné aucun putain de moyen de me battre. Quoi? Ah, elle est pas bien, la jeune dame. On va frapper. Monsieur, vous aviez l'air étrange tout à l'heure. Oh la vache! Quel est ce portrait? Ok, on a quelque chose d'autre. Cher père, notre Dieu bien-aimé continue de me bénir de ses visions. Attends, frère, c'est la Bible là que tu me racontes là, non? Attends, on va pas. Vous pouvez lire, hein, mettez pause, les gars. On va pas lire les trucs aussi longs. On a un bandage. Ça, c'est rassurant, ça fait plaisir. Ça régale la famille. Ok. On a une armoire. On peut se cacher dedans. C'est bien.
Hop, allez, fin du jeu, on est caché. Ah, on peut maintenir un petit coup d'œil. Je sais pas si en maintenant un petit coup d'œil, ça suffit. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si juste en regardant, juste en jetant un petit coup d'œil, on peut être repéré. Si c'est le cas, je ne le ferai bien évidemment jamais. C'est quoi ce jeu du démon? Il vous décule, putain, mais c'est chez Fufu, ça. Je reconnais. Pour ouvrir les fenêtres. Pas. Ah ah, oh putain, sa mère la putain. Vous êtes con. Putain de merde. Ok, on continue. Les prochains épisodes seront enregistrés bien évidemment à 14h. Et je serai dehors, hein. Je mettrai toute mon installation dehors. Pour prendre l'air en cas de sursaut. Ok, là ils nous apprennent, c'est un tutoriel, hein. Ils nous apprennent à nous baisser, à mourir calmement. Ok. Ok, on continue. Je sais pas, je vous garantis pas que je vais le finir à 100%. Oh là 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 là. Fufu ? Tu me fais une blague, Fufu ? Oh putain ! Contemple de sage-femme. L'enfant arrive, prépare ton couteau. L'enfant arrive, sage-femme de nuit, mère souillée de l'intérieur par l'ennemi, création de Dieu sauvée d'un péché. C'est une très bonne musique. Écoutez, j'enverrai ça à mon producteur. On voit ce qu'on peut en faire. C'est très sympa les décors en tout cas ici, hein. Vraiment plaisant. Il n'y a pas trop de sang. L'accouchement s'est déroulé à merveille. Je me penche, je sais pas pourquoi je me penche, ça me fait encore plus peur. Merde! Ok, ceci n'est rien d'autre que des cadavres d'enfants, j'ai l'impression. Mais quel est ce jeu démoniaque, putain? Oh putain. Ok, je cours. Je me raccroche à la vie. Ok, on peut ramper. Mais c'est terrible, votre délire! Ouais! Ouais, ouais, ouais. Alors, les mecs, cet épisode va être court. Cet épisode va être court. Je me chie pas du tout dessus. Hein. Pour moi, ça, c'est un jeu d'enfant. Mais j'ai piscine. J'ai piscine. Oui, 23h. Écoutez, j'ai une grosse compétition qui joue. Dans pas longtemps. Qui respire comme ça? Messieurs? Quelqu'un, hein? Bon, je suis mort. Je... Ah oui. Ah oui. Ah. Je suis mort. Je pouvais échapper à ça ou pas? Ça faisait peut-être partie de la cinématique, je ne sais pas. Ah non, temps de chargement. Ah non, 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 ce n'était pas prévu de mourir dans d'atroces souffrances comme celle-ci. Mais c'est terrible, je devais faire quoi? Ok, je prends de l'élan, sa mère. 24 mètres haies. Nique ta mère. Ah. Oh putain, en plus on peut mourir de manière différente, c'est terrible. Ok. Et c'est encore la mort, bien évidemment. La mort qui me prend de haut. Alors, j'ai peut-être une solution. Je pense qu'il faut retourner littéralement en arrière et se cacher dans l'armoire. Je pense... Non, je ne pense pas du tout en fait, je ne pense à rien du tout. Qu'est-ce qu'elle dit, putain, ferme ta gueule. Je peux me cacher là, comme ça, là? C'est elle, hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Cette grande blasphématoire du pasteur graine de moutarde. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Elle va me tuer, hein. Elle va me tuer. Madame, vous allez me tuer. Est-ce que je vais prendre très cher? Est-ce que je vais prendre ma putain de vie dans une fougère? Ma vie étant incroyablement nulle. C'est terrible.
Quelqu'un ? Ok. Je me cache un peu partout, hein. Ah, bon, on essaye d'innover, hein, quand on est... quand on a peur, hein. J'en ai aucune idée d'où elle peut être, mais je me casse. Ah ? Ah ? Ah ? Ah, trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Oh putain, je suis désolé, j'ai appuyé sur toutes les touches. Oh putain, je me soigne déjà. Oh bah on a perdu, hein. Oh, j'ai paniqué, hein. J'ai paniqué, j'ai appuyé sur toutes les touches, j'ai mis l'objectif, j'étais pas bien. Ok. Vous pouvez déplacer certains objets. C'est incroyable. Ok, on va donc déplacer certains objets. Parce que... c'est un objectif. Il y avait rien derrière. Hein? Je peux interagir. C'est incroyable aussi. Ok. D'accord. J'ai compris. N'en dites pas plus! Putain, mais c'est terrible. Bon, il y aura peut-être qu'un épisode. Il y aura peut-être qu'un épisode. Réellement, je déteste ça. Hein. Je simule pas, les gars. C'est... là, vous avez le son tel que je l'ai dans les oreilles. C'est pas... Franchement, tout va dépendre de cet épisode-là. Si vous kiffez, si je vois que vous kiffez, si je vois que j'ai du soutien, je sortirai l'épisode 2. Si j'ai rien, on coupe tout, les gars. On coupe tout. Bah, je vais pas m'infliger des douleurs tout seul. C'est totalement ridicule, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ah ! Putain ! C'est que du screamer, c'est que du screamer. J'ai même pas de quoi me défendre. Dieu. Oh, Seigneur ! J'ai peur, je cavale parce que je meurs. Ok. J'ai peur, je cours partout, je m'en bats les couilles. Hein? Vous pouvez entendre à travers le mur et suivre les bruits avec le microphone. Levez votre caméra. Oh non. On se cache. Je suis caché. Mais non, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir faire un jeu comme ça complet. C'est impossible, réellement. Les voix du Seigneur. Tu vas voir si elles sont impénétrables, cousin. Putain, c'est pas vrai. Yo. Je ne sais que faire. Ah, il y a un monsieur là. Pas très gentil ce monsieur. Ok. Vraiment abandonné. Oh putain. Il y a quelqu'un juste en face. Il est là, il est debout. Il y a une porte, il y a une fenêtre. Il vient vers moi. Tu règnes à jamais. La joie a disparu de nos cœurs. Je peux le tuer ou pas? Je veux pouvoir le tuer, ce monsieur. Allez, rentre, ta mère. Une pile. Un bandage. C'est incroyable. Et on peut se cacher. Je me cache. Maintenant pour jeter un coup d'œil. Putain. Putain. Disparu de nos cœurs. Abandonné. Vraiment abandonné. Ok, j'ai plus de batterie. On subsiste de génération en génération. Ok, on va recharger. Bonjour monsieur. Ah ! De la fureur ! Ah ! Mais pourquoi vous m'avez vu monsieur ? C'est de l'injustice !
boule derrière moi. Ah! Quel est ce bruit? La lampe s'est renversée. C'est quoi ce bordel? S'il te plaît, papa. Ok, il y a quelque chose à lire. Yo, hop, on n'a pas le temps. C'est pris en photo. Ok, c'est bon, on poursuit plus. Ah non, putain, là, on se dirige vers une église. Mais comment il a fait? Il passe jamais par là d'habitude, le mec. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est, rien de plus. Mais c'est de la propagande, votre truc. Nous nous opposons à l'antéchrist. Ok. Ok les gars, je parle pas beaucoup hein les mecs, hein. Vraiment, la sueur parle pour moi là, vraiment, j'ai rien à vous dire de toute façon, je vous aime pas, on se connaît pas les gars, ça va. Ok. Et maintenant, Dieu nous a envoyé... Père ! Bénissez-moi ! Sucez-moi ! Par ici. Oh merde ! Et peut-être par ici alors ? Enlevez ton maillot. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Non mais... Putain, se fait violer là, non? J'ai reconnu ça, c'est du viol, hein. Si elle pleure, c'est qu'elle a souffert. Attends, j'aimerais voir ce qui se passe là. Tu as déjà révélé que ta langue ne servait à rien d'autre que mensonge. Okay. La vérité de Dieu est ici. Rejoins-nous. Ma possession. Oh! Tenez-moi vos vies. Dieu, tenez-moi. Pose les mains sur ce semblant de pécheur et te demande de révéler la vérité. Priez avec moi, mes enfants. Ok, j'ai pris en photo. Dieu, donne-moi ta vie. Dieu, guide-moi. C'est terrible tout ce qui se passe. Ok, clé de la prison. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, c'est du latin. Je veux voir ce qu'elle prend, là. Je veux voir la petite cartouche qu'elle prend, là. Il souffre! Mais non, on est manipulé ici! Ton enfant est l'élu! Lui, je peux pas le libérer? Il y avait un gars là. Il est mort. Ok. Attends, en son sein! D'accord, on peut passer par ici. Ouais, c'est pas évident, hein, faut vraiment. Ah! Putain, faut vraiment regarder partout! Putain! Je me soigne pas parce que ça sert peut-être à rien de se soigner et je vais peut-être mourir très vite. Moi je me soigne quand même. Ah bah c'est une grosse plaie. C'est une grosse plaie depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est. Attends, faut ouvrir. Ok. Alors c'est lui là le. C'est lui leur prêtre ou je sais pas quoi là. Ok, on a rien par ici. En tout cas, c'est un vrai plaisir de jouer à un jeu où t'en prends plein la gueule tout le temps pour rien. C'est vraiment excitant hein. Ok, on sait jamais ce que... Enfin, on sait toujours pas ce que la meuf a pris. Quand tu ramasses une pile, t'as l'impression de ramasser... un putain de Takiwalki. Ok, on a autre chose ici. Ouais, je voulais te mettre pause à chaque fois parce que... Hop, tu vois, je peux zoomer sur une lettre, hein, c'est incroyable. Ok. J'ai pas envie de connaître plus l'histoire de toute façon, parce que j'en prendrais plein la gueule tout le temps. Ça peut sauvegarder, là, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on arrête cette vidéo tout de suite. Hop, y'a quelqu'un là-dedans. On peut surprendre quelqu'un ou pas? Ouais, y'a quelqu'un de l'autre côté. Ok. Toujours fermé. Qu'est-ce qu'il fait? Cours! C'est Lynn! J'arrive, Lynn! Lynn? Mon Dieu, Blake! Tu vas bien? Non! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Oh merde! Il faut partir! Là! Ok! On va courir! Et on va voir où ça nous mène! Attends, putain, mais. Où est-ce qu'on va? J'ai cru qu'elle avait une tentacule dans, dans la bouche! Mais restons pas ici! Ok. Ce que Dieu a uni! C'est incroyable! On s'arrête? On s'arrête, les gars? On est d'accord? Oh, oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre! J'ai mal! Il y a quelque chose qui va pas! Merde!
C'est pas le moment, Lynn. Personne derrière. Lynn, cours. Lynn, elle va accoucher, hein. Elle va accoucher d'un alien encore, hein. J'ai juste besoin. Oh, mon Dieu. Bordel de merde, Lynn. Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça... Je peux pas en parler. Lynn... Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent. Tu t'es fait violer calmement ou... Genre, c'était un viol non consenti. Attends, le mec, il vient vraiment avec un haut-parleur, genre sans aucune putain de pression? Quoi? Je l'ai examiné moi-même. Je sais rien. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn? Je t'en prie. Blake, je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que tu es enceinte? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Pas maintenant. Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Ok. D'accord. Le diable de son ventre et écrasez-le sous vos talons. La révélation est à nos portes. Et comme les anges, nous le devons montrer. Je m'en fous, je lui tiens la main, donc je lui fais entièrement. Mon Dieu. Allez-vous-en. Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non. Dieu m'appartient maintenant. Dieu veut l'enfant. Fils de Dieu veut l'enfant. Non. Heretics. Dieu sauve ton âme. J'ai regardé mon père baiser ton Dieu à mort. Merde! Lynn! Blake! Lynn! Tout va bien, petite. Oh mon Dieu, merde! Ramenez-la à la maison. Je veux partager mon amour avec le père. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Oui, mon amour. Ah, petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Mais c'est un mec. C'est un Lady Boy, ça. Il a pas de poitrine. Ah d'accord, je vois que ça met des petites patates. Lynn! Non, je suis totalement bourré. C'est qui? Ça c'est pas Lynn. Mon Dieu. Oh Seigneur. J'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce que c'était que ça? Ils les ont appelés hérétiques. Ils ont appelé Lynn mère. Et y a pas que la secte. Y a deux camps. Les chrétiens et autre chose. Ok. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'était très sympa, hein. J'ai vraiment pris mon pied jusqu'ici. Un max de plaisir, évidemment. Un max de fun dans ce jeu incroyable. Je reste sur mon avis que c'est Outlast et que c'est juste un jeu où t'en prends littéralement plein la gueule. Si vous voulez que je continue, si vous voulez en faire un let's play et le finir, c'est à vous de me le dire. Un max de j'aime, un max de plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2, si vous êtes nombreux à avoir kiffé. Et sinon, je ne redémarrerai sans doute plus jamais ce jeu. Donc, sur le coup,
À vous de décider, les amis. À vous de décider si vous voulez une aventure horrifique sur Outlast 2. C'était le premier épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Des bisous. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.